Ok. Le Montana. Son grand ciel bleu. Tous ses trésors. Putain. C'est pas une région. Je suis pas en live. Et je suis pas en live. Hein. C'est ma maison. Ouais. Mais j'ai streamé parce qu'il est lancé. Et merci Olivier pour le sub. Pour le follow, pardon. C'est pas ça qu'on a pas vu la situation. Bah ouais, du coup il se met en route, il applaudit. J'ai dit merde, il se passe quoi, je suis pas en live. Mais il prend quand même en compte on quand. On les prenait pas au sérieux. Quand je suis pas en direct. Religieux. Militant, c'est une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Dieu exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Qui ? Leur leader ? Joseph Seed. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Mais je leur ouvrirai les yeux. Le rappel aussi, bien sûr. Tu m'étonnes. Hé, hey, petit. Petit. Y'a un petit peu de sang, tu perds ton temps, y'a pas de vaisseau ici. Je franchis la rivière Enbane. Genre le mec, t'avais fait une statue de 2 km de haut. Tranquille, personne qui dit rien. C'est assez pour que vous puissiez changer d'avis. Et qu'on fasse enfin demi-tour. Vous voulez que j'ignore un mandat fédéral, shérif ? Non, non. Je veux juste que vous compreniez bien la réalité de la situation. Joseph Seed, faut éviter de déconner avec lui. On a déjà croisé sa route et ça s'est rarement bien terminé. Je dis juste que... parfois, on peut aussi détourner le regard. Ouais, ben... ici, il y a des lois à respecter, shérif. Et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte. Rat, mon grand. Tu veux bien appeler le central, s'il te plaît ? White Horse à central, à vous. J'écoute, Earl. On approche de l'objectif, Nancy. À vous. Compris, shérif. Vous n'avez toujours pas changé d'avis ? À vous. On a malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshal. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous. Compris, terminé. On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que le nouveau. Ces tarés la feraient jamais chier. Rat. Les tarés, c'est une trouvaille, à vous. C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils ont débarqué gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Vous avez peur, shérif ? On y est. Il était que ça me paye dans l'arrière. C'est pas affiché du coup. Rat, bien compris. Comment ça c'est pas affiché ? Je sais pas, j'ai pas vu l'extra, j'ai pas vu s'afficher ou pas. Si. Attends, j'ai baissé le son du jeu après. Central ? Toujours là ? Oui, chérif, je vous écoute. Si je donne pas de nouvelles d'ici 15 minutes, envoyez-le. Non, mais ça va, le jeu il va pas faire ! Il le faut, à vous. Allô ? Ok, chérif. J'avais prévu pour
écoutez-moi. Trois règles. C'est moi qui parle. Ah ouais, j'ai pas regardé sur mon écran, en fait, je suis encore habitué. Et on reste en rang serré. Compris. C'est compris. Je m'attendais à le voir sur mon écran. C'est parfait. En fait, non. On y va. Juste le bordel. Ouais. Tous les trucs s'affichent à l'écran quand tu joues, super agréable. On va démêler un peu. On me dira c'est mieux. C'est pour ça que j'ai quitté Missoula. Tout le monde reste calme. Continuez ce que vous faisiez. Ça vous concerne pas. Ok. Je devrais avoir un. Non, c'est du logement automatique. Du coup, c'est trop bas maintenant. Attends, je vais augmenter un peu. Je vais essayer de faire au milieu. Tu me dis que c'est bon. Hé Marshall, si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière, calmement, sans heurts. C'est compris? C'est compris. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall, essayez simplement de pas faire de conneries. Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Ça va aller. Mais oui. Quelque chose. Ça va aller. Le jeu est fini dans 5 minutes. Vous le sentez, n'est-ce pas? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ah oui. Bah alors il faudrait que je fasse une pause après. Je ferai pause dans le jeu, j'en mettrai le son. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté. Je ne dirai plus rien, ça va. De notre foi. Mais non, c'est parce que du coup, comme j'ai baissé le son dans le stream, en fait, du coup, même toi, t'es baissé aussi. On y va, doucement. Terminé. Du coup, je vais diminuer dans le jeu et remettre. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Merci. Nous allons refuser de souffrir. Bon, restez ça calme. Suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence. Non. Les voici, les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. C'est quoi cette bande de rednecks? Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Très bien. Reculez tous immédiatement. Vos armes. Reculez, ça laissez suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste Far Cry 5, consanguin. C'est un nouveau jeu. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmener. Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis dans une voix semblable au tonnerre l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois !» Allez, on avance. Et je vis. Devant moi. Un cheval blanc. Ouais. C'est la grosse équipe de stream. Derrière lui. Petit. Passe les menottes à cet enfoiré. Dieu ne vous laissera pas faire. Non.
la meilleure des options. Ah bah voilà, fin. C'est de faire demi-tour. Voilà. C'était un peu court, mais ça va. Je vais appuyer sur une touche. Allons-y. Ubisoft vous remercie d'avoir acheté le jeu. Au revoir. Merci. Merci d'avoir dépensé votre argent. C'était pas très cher. C'est cool parce que personne te couvre derrière. Ouais, enfin, je sais pas regarder, mais... Commande T4, je suppose que non. Ouais, vas-y. Oh, t'as eu la frise. T'es taré. Il y a vraiment un qui s'est jeté sur les bis. Apparemment. Il y a une suite dans le jeu. C'est des histoires complètement différentes à chaque fois. C'est toujours des histoires différentes. Oh non, il s'est échappé. Très grave, les annonces. Pitié, j'ai besoin de savoir ce qui c'est pas grave. Voyez, Centrale. Oh mon Dieu. Nous n'avons aucun problème. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Oui, père. J'ai foi en vous. Ok, t'es un salope. Venir te sauver. Dieu vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les messagers de l'Apocalypse verront la vérité. Il faut qu'on sorte d'ici. Que la récolte commence ! Il faut qu'on sorte d'ici. Ouais. Enfin, tu meurs. Ouais, ça peut être ça. On l'a récolté. Au revoir. Seigneur Dieu, on arrive à se tirer d'ici. Qu'il brûle. Les femmes et les enfants d'abord, c'est bon. Ouais, t'as vu, Seigneur Dieu, il nous a sauvés. Oh mon Dieu. Oula.
fuir. Ah, Hunter. C'est un jeu à QTE. C'est ça. C'est dur, merde. Les bagues. Cours, lapin. Et je cours où? À part là, il y a des flammes. Aïe. Courons. Par là. Je sais pas où je vais. Au moins vite que toi, tu viens de te taper un crash d'hélicoptère quand même. Ouais, mais. Ouais, cache-toi dans la brouette. C'est la meilleure arme du jeu. Oh putain, Bambi! Alors, détection en survie. Alors, on connaît. F exécuté. D'accord. Bim! Dans sa gueule. Ça c'est PVG, on peut passer par les fenêtres. Je sais pas où je dois aller en fait. Ah ouais, t'as des grandes poches. À la radio il y a deux minutes. Allez, fouille la pièce vite. Le mec qui me parle à la radio il dit je suis dans un mobile, viens me chercher, et deux secondes après il a oublié que t'étais là. Oh Seigneur, j'aurais jamais cru. Merde. On va foutre tous ces connards derrière les barreaux, toute la famille. Putain de fanatique. On va sortir de ce merdier, petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. On va la prendre. Et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite, faut qu'on revienne ici. Avec toute la garde nationale. Cartouche de baisse, il vient de souffler ça. Ce qui reste... ouais, c'est parce que sinon ça marche pas. Sinon c'est ma erreur. Que je regarde, mais je suis pas à la touche. X est changé. Je suis alt. Non. Contrôle, non. Je sais pas. Genre, tu peux pas regarder les contrôles.
quand même un jeu solo. Pas aller en 3 coups en fait, mais je regardais. Ah, je voyais pas l'option. Clavier souris. Le pied. Chalumeau, canne à pêche. Changer mode de tir V. Ah ok, voilà. Bien mieux. Il a mal. Deux secondes, je recharge, Billy. Ok. Ah, faut aller dans le camion. Ok. Vas-y, fonce. Passer sans toi. Faut qu'on y retourne. Mais avec un bon plan. On sait pas à qui on peut se fier. Putain de merde. Oh, oh non. Ils ont barré les routes. Ah pardon. Accroche-toi. T'es mort, ah ouais. Accroche-toi, on quitte la route principale. Ok. Y'en a d'autres derrière. Débrouille-toi. Certain. Vite, explose tout. Bah ouais, je veux bien. Tiens, prends ça. Ils en ont rien à foutre de la dynamite. Putain de merde. Un avion? J'y crois pas. Ils ont du soutien aérien maintenant. Ah oui. Une vache. J'ai plus de kit. J'ai plus de vie non plus. Ouais. Vas-y, débrouille-toi. La guerre. Putain, le truc qui fait absolument pas partie du scénario. Non. Il a pas fait exprès de tourner à droite. Mm-hmm.
Oh bah non. Ok. Bon, salut. Mes enfants, nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous devons rendre grâce au Seigneur. Le jour dont j'ai fait la prophétie et dont j'ai fait la prophétie est enfin là. Tout ce que je vous ai dit s'est réalisé. Tout ce que je vous ai dit s'est réalisé. Les agents qui ont essayé de m'enlever à vous ont désormais rejoint les bras aimants de ma famille. Tous sauf un. Mais cet âme égarée sera retrouvée. Elle sera châtiée. Et pour finir, elle comprendra notre glorieux projet. Je suis notre père. Vous êtes mes enfants. Et ensemble, nous marcherons vers... Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Mais c'est ce que t'as fait, officier. Franchement... Le mec, on dirait Locke de... Je de Lost. Je me contenterais de te livrer. Ouais. Merde. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. Enlève tes fringues, on va les cramer. Changer. Ok. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier. Bon alors, je vais diminuer le son du jeu. Audio. Mettre... 80, ça a l'air bien. Je vais remettre. Voilà. Je sais pas si ça, tu me diras si c'est mieux, Glenn. Effectuer quelques choix de personnage avant le film. De champion. Voilà, je suis allé bien. Pour. Putain, on peut choisir sa coupe de cheveux. Enfin. Non. Ça y est, c'est beau, je trouvais. La coupe mule. Il est magnifique comme ça. Merde. Je ressens définitif. Bah ouais. Tant pis. Coupe du cœur. Oh mon dieu. Comme ça, il est beau.
En stock, ouais. Si c'est un stock, je pense. Oh, pantalon militaire, treillis. C'est but obligatoire. Casquette. Ah bah non. Ah bah non. Non, non, pas de casquette. Non. C'est quoi ça? On peut lui mettre des gants en squelette, quoi. Ouais, les gants, c'est pas terrible, hein. Manu, c'est bien. Je suis confiant comme ça. Il est magnifique. C'est affiché? J'ai dit putain, l'aquarium et j'ai de la musique maintenant. Dutch, t'es là, c'est réré. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est réré. J'ai plein de tirs et je suis presque sûr que c'était pas le tonnerre tout à l'heure. C'est la SketchUp ça, non? Ah, c'est réré. Tout le temps, ah. Pas se calmer. C'est encore ces cinglés de la secte? Va falloir supporter ça longtemps? Ouais. Enfin bref. Rappelle-moi quand tu pourras. Les notifications de pillage, etc. Ils sont, c'est bizarre. J'ai pas l'impression que ce soit au bon endroit. Je regarde l'aquarium, il me dit d'interagir. C'est le poisson qui est au-dessus. Et là, il. Y a vraiment personne. Je sais pas, il te met. Putain. Voilà. Si quelqu'un m'entend dans la prison, répondez. J'aime pas lire. Qu'est-ce qui se passe? Allô. Y a vraiment personne. Bien. T'as trouvé un truc à ta taille. Quoi? Ça? Je me suis pas vraiment présenté. La plupart des gens m'appellent Dutch. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-haut. Et c'est pas beau à voir. D'après ce que je comprends, tes collègues sont en vie. Pour l'instant. Mais on les a séparés. Chaque membre de la famille de Joseph en a un sous sa garde. Tu veux les retrouver? Oui, je comprends. Moi aussi, on m'a pris des amis. Le problème, c'est que personne viendra t'aider. Personne sait ce qui se passe ici. Et l'info sortira pas avant qu'il soit trop tard.
Il y a forcément des gens ici qui seraient prêts à riposter contre la secte. Il faut juste qu'on leur montre comment faire. On doit former une résistance. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est reprendre le contrôle de cette île. Une fois un peu plus tranquille, on pourra mettre un plan sur pied. Il y a un flingue et une carte dans le coffre là-bas. Prends-les. Je te recontacte par radio dès que t'auras pris tes marques. Ouais. Mais Fais bien gaffe à toi, ça grouille de cinglés. Ces connards sont prêts à mourir pour le psychopathe. Tu m'as piqué mon arme, le chef. J'avais une arme de fou, le mec il me l'a piqué. Maintenir A pour la route des armes. C'est quoi? Tu peux libérer des otages de la secte. C'est des gens bien qui accepteront peut-être de se battre à tes côtés si tu les aides. Ensuite, tu peux détruire ce qui appartient à Eden's Gate. Tu vas trouver ça un peu partout. Tiens, rien que sur cette île, ils ont construit deux saloperies d'hôtels. Troisièmement, tu peux rendre service à la résistance. Il y a plein de gens ici qui mènent une guerre personnelle contre la secte. Et ils cracheraient sûrement pas sur ton aide. Et pour finir, si t'es d'humeur à te bagarrer, tu peux aussi t'attaquer aux avant-postes que la secte a installés dans la région. Si tu les libères, la résistance pourra s'en servir pour contrer les efforts de ces tarés. Ok. J'ai des caméras partout sur cette île. Je regarde si je vois quelque chose d'utile. Pour le moment, va vers le sud et élimine tous les connards de la secte que tu vois. Et viens en aide aux habitants dans le besoin. D'accord? Terminé. Oula. Putain, j'ai pu prendre de la laitue. On entend comme si c'était moi qui avait toussé, quoi. Ouais, j'avoue. T'as les discrets, le point. C'est quoi ça, j'ai. Non, mais. Ces cinglés de fanatiques sont en roue libre. Si vous voulez de quoi vous protéger, je crois qu'il y a une cache de survivalistes près du hangar. Il y aura sûrement des trucs sympas. Cache. Marqueur, là. Hop. Ah.
Lampe de lancer. Ça a l'air bien, ça. Alors, je tentais d'aller à la planque souterraine, mais un gros tuyau explosé, il y a tout ce petit nombre de... Je ne sais pas ce qu'on peut sauver, on a besoin du jus. Ok, remettre le courant dans le bateau. Merde, t'as touché le jackpot. C'est une cage de survivalistes. Si t'arrives à y entrer, tu devrais y trouver pas mal de trucs utiles qu'ils ont mis de côté. Allez, va jeter un œil. Rentrer dans le hangar. Bon, j'ai une pelle. Non, la pelle, ça fonctionne pas. Il veut pas. Il y a des trucs dans l'eau. Ah, des jumelles dans le jeu. Poisson. N c'est quoi? Ah, N c'est. Mais je suis bête. Ah non, c'est. Des coups de poing. Oh. En fait, je suis sûr qu'il y a des jumelles. Jumelles, W, ah ouais, carrément. Touche des jumelles, quoi. Peut voir là. Bon, c'est pareil. J'ai pas des jumelles polarisées, hein, tu vois. Ouais, lui, il me regarde. Il est vraiment aveugle, lui. Genre, je suis debout devant lui et il me regardait. Ok. Si je fais ça... Ah non, c'est pas cette touche-là. CV. Drôle de touche, faut changer. On gère après. Thank you.
Oh, c'est mieux ça. Quoi alors Ah ouais. Genre le mec il se ferait avec une pagaie et une pelle. Et un... Non, pas. Et un ARC et un 1911. Ok. Ça c'est lui. Allons sauver les gens. C'est un jeu Ubisoft, hein. Tu vois que c'est de la cinématique. Hein. Mais non, elle ne m'a pas vu. Regarde, elle ne me voit pas. Elle ne me voit pas du tout. Et si je fais ça, elle me voit, elle ne me voit plus. Elle me voit un peu, elle me voit. Si je veux mettre des coups de pagaie, alors. Ah, voilà. On utilise ces outils pour servir le père. Ok, je suis plus fort que toi. Ah non. Bon. Règle numéro 1. Ne pas attaquer un camp avec une pagaie. J'avais déjà ouvert ça. Confectionner des trucs. Ouais. Si tu veux faire une plus grosse impression, tu peux toujours fabriquer de la dynamite. La bonne nouvelle, c'est que les gens du coin ont stocké tout le matériel qu'il te faut. T'as juste à te servir. Et au boulot! Discret. T'as quand tu ressors, ça nique les yeux. Ouais.
Wouhou! Putain, tyrolienne, c'est cool. C'est une tyrolienne de 2 mètres. Tu vois, ils sont toujours aveugles, les gens. Ça marche de loin. Retire son souffle. Mais retiens ton souffle, putain. Ah. Ça n'a pas marché. Je l'ai eu ou pas? Non, apparemment pas. Allô? Non. Tu l'as pas eu. Et tu les as juste fait paniquer visiblement. Ouais. Impression. Montre-toi. Non, non, tu m'as pas vu. Je suis caché. Tiens, prends ça. Tiens. C'est bon, tireur d'élite. Et voilà. Ça qu'on fait une flèche à mort. Une flèche à mort. Dans le milieu, on appelle Anzo. Monsieur tronc d'arbre, c'est moi. J'ai des troncs d'arbre. Oh, qu'est-ce que. Je suis drogué. Oh, c'est cool. On dit, je reste là. Le monde est plus beau comme ça. Il y a des paillettes. C'est un monde de paillettes. Je sais pas où j'ai tué l'autre. Je sais pas où il est mort. Ah merde alors. J'ai perdu. T'es mort où? Ça rame un peu comme. Bizarre. Ouais. Ah, il est là, putain. Explosif télécommandé. Alors, il m'a dit quoi, le monsieur? Ça. On jette. Grenade, non. T. Ah, T, T. Bon. Qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté quoi, ce con? T. Ah, il y a des cailloux. Non. C'est quoi la touche pour les grenades, putain? Lancer un caillou. Lancer. Ok. Apparemment, c'est ça. Ah, ok.
pas du tout. Mais qu'il est con. Ah bah voilà. La merde la dynamite. Merde alors. Je viens de voir la secte embarquer un type près des quais. Si tu l'aides, peut-être qu'il acceptera de prendre un flingue et de t'aider en retour. Ok. Allons aider les rednecks. Il faut être discret. Toi-même, t'es un redneck alors. Non, moi je me fonds dans le décor. Ça c'est clair. C'est une mission d'infiltration. Alors je me mets dans la peau du personnage. Je suis là en premier. Tac. Vas-y, gifle-le. T'es ma salope, fais-la. Bon, ça suffit. Après, toi, tu vas être tout triste. Pitié à l'aide. Ah non, 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 non. Et merde. Je t'en prie, sauve-moi. Mais quel con. À récupérer ce bon. Ouais, ouais, c'est bon. Pitié, sauve-moi. Bah non. T'as ta tête. Non mais. Je laisserai pas les fanatiques me briser. Aide-moi à sortir, je peux être utile. J'ai cru que c'était la fin. Merci. Embaucher ? Bah non. Attends, j'ai pas le choix. Hein. Jusqu'au bout, ils vont me le faire. J'ai confiance en toi, officier. Oula. Ok. Alors voici ton ex-squad. Alors un puma, un ours, un chien. Toi aussi, fais-toi des amis. Et alors le puma, il est vert rond, quoi. Il a un œil bleu, un œil orange. Il s'appelle Pépèche. Je crois que c'est Pépèche, Cheeseburger et Boomer. D'accord, Cheeseburger quand même. Et il a vraiment un collier Pépèche. Ah ouais, merde. Moi je veux lui, hein. Il fait cache-cache, attaque surprise. Ok, bon, moi j'ai lui là. Alors, je sais, monsieur Hussein, il a son équipe cool. Vous devriez aller au poste de recherche de la forêt. La secte a envahi l'endroit, c'est là qu'elle stocke sa putain de grâce. Nettoyez-moi tout ça, comme ça, ils sauront qu'on n'est pas là pour déconner. Ouais, on n'est pas là pour déconner. Tu me suis, Billy. Ouais. Ok. Vas-y, attaque. Est-ce que je peux faire G? Appuyer, ordre, suivre. Je me déplace. Vas-y. Ça marche. À là-bas! Oula. On peut y aller. Et il a failli tomber. Ouais, quand même. J'ai vu, mais... Quoi? Et il est fou. Tu sais quoi? Pas là-bas. Là, ceci.
Ok. Ordre des mercenaires. Oh, c'est bon, je viens de le faire. Si n'est pas repéré, un mercenaire est de rester caché. Ouais, bah. Reste bien loin. Casse-toi. Ils sont 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je devrais tous les tuer à l'appel. Pas mort. Bon travail au poste de recherche. Les cinglés reviendront plus après la raclée que vous leur avez collée. Tant que vous êtes là, faites un petit tour, il y a peut-être encore des gens en vie. Tu peux donner des petits coups de shoot comme ça. Salut, je veux des paillettes. Et il tombe. Tiens, faites quelque chose. Vous êtes un ange, merci. Ouais. Secte rôde autour de l'île depuis des semaines. Je crois qu'ils essaient d'établir une base dans la vieille station des Rangers. D'accord. Allons-y. Oh. Carrément. Ça marche. Ah ouais. Putain, c'est des flèches magiques. C'est très discret. Ouais, c'est pour savoir si ça marchait. Mais en fait, c'est des flèches magiques parce que tu les fais exploser contre des barils explosifs et Bah, reste en vie. Ouais, tu peux récupérer ta flèche. Y'a un truc bizarre dans l'eau là. Une mine. Je sais pas. Peut-être. Attention, vous quittez la zone de mission. Quelle zone de mission? C'est un flotteur. C'est vrai, mais... Officier, ça sert à rien de quitter l'île tout de suite. Il y a toujours beaucoup de brouillard à ce moment de l'année. Ah bah... Tu risques de tourner en rond. Attends un peu, ça va se lever. Je crois qu'il y a un truc qui va pas. Ah. En effet. Il y a un problème, chef. Ah, mais je peux pas quitter l'île, c'est chiant, je sais pas.
Qu'est-ce que c'est que ça? Fût de whisky. Putain, c'est haut comme ça, là. Tape la carte. Non. Merde. Ça. Ok. Oh, il y a des fûts de whisky, là. Voilà, donc en gros quand t'as un câble qui pend comme ça dans l'eau, enfin qui remonte tout seul, et bah tu suis et il y a un fût de whisky. Il y a Toff qui est là. Ah ouais. Je crois pas en la chance, mais putain j'ai bien failli mourir. Ah mais... Il se met trop près des barils rouges. Allez, à côté des rouges. Gueule du mec, quoi. Salut. Ça va, ça me vit bien. Je crois qu'il va rester là toute la truc. Je pense que ton layout il cache un peu des infos en haut à gauche et tout ça. À part en haut à gauche, c'est le. Objectif, un truc comme ça. Ouais, bon, c'est libérer l'avant-poste. Ouais, on s'en fout là. Ouais, ça globalement, ça change pas grand chose. Et à côté de la cam, juste là. C'est juste l'indication si je suis accroupi ou pas, et quand je change d'arme, c'est les munitions, mais c'est plus bas. Ça disparaît tout de suite, donc c'est pas très... Ouais. Ennemi repéré. Genre là, il voit pas, quoi. Là, tu utilises des jumelles. Oh
putain, d'artifice et tout. Ouais, ils aiment bien les paillettes. T'as récupéré le poste des rangers. Oui. Non, je suis un Power Ranger. Ah. Oh non, mec, si tu veux là, lui. Vas-y, casse-toi. Eh ben merde alors, là je dois dire, je suis impressionné. Hey. Je croyais pas que t'aurais le cran de le faire. Est-ce que ça explose. Peut-être que tu vas réussir à lancer la résistance, on sait jamais. Ah oui. Bon, maintenant il faut nettoyer le signal. Allez, salut. Radio. Ma cible est foutue, je capte rien du tout sur cette île. La tour ah bah non. Près de la côte sud doit être endommagée. C'est tu pas de chance. T'en occuper pour moi. Je n'ose pas crever tout seul, officier! Chip, chip, peut-être, chip. Ne laisse pas crever ici! Oh, bordel, ça fait mal! À l'aide! Lui s'en fout. Si, il n'y a pas que moi! Ne laisse pas crever ici, pitié! On est deux! C'est trop con parce que notre déconisé genre aaaah, j'en peux plus et tout. Ah mais regarde, là tu s'en fous aussi. Parce que je me demande s'il meurt ou quoi. Oh ouais, laisse-moi crever. C'est con. Ah bah non, il est temporairement indisponible. C'est pas de chance. Du coup je peux prendre tes armes. Ah bah. Regarde, il est content, il se marre. Ont la chance, putain, j'ai bien failli mourir. Ah, lui aussi, en fait, il est là, ok. Ouvrir. Il y a une porte, hein, sinon. Ouais, mais non. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est très solide. Je l'ai niqué. Ouais. Ah ben. Ces vieilles tours d'ordinateur. C'est du coup ça qui cache tout quoi. Le seul point d'information. Ça fait le bruit d'une vitre. Peut charger. Merde. Pardon. Désolé. Tu tout le monde là. Désolé hein. Ouais. Ah là il s'en fout pas déjà. C'est marrant. Aidez-moi. Reviens. C'est pas moi. Il est voilà. Il va bien. Il fait une sieste. C'est... La moitié sur la chaise comme une merde. Mais... ces vieilles affaires, c'est solide. Arrête de voir tout à fait. Tu me disais, on pourrait peut-être accuser Eden's Gate de violation de propriété. Je sais qu'ils sont un peu bizarres et asociaux, mais à mon avis, un bon coup de gueule en les regardant droit dans les yeux, ça devrait les calmer. Franchement, on va pas se laisser impressionner par les grenouilles de bénitier. Putain, il est quoi solide. Il fait des plis dans les chaises en métal, gars. Oh putain. Tiens la tasse. Oh putain, deux écrans d'un coup. Du coup, lui, là, il a plus peur, mais non, c'est... Du coup ils m'ont piqué mes flèches quand même parce que ils ont les mecs ils ont des pop mais mes flèches ils ont des pop aussi.
tout radio. Tout radio. Je sais ce que tu penses. Ouais, carrément. Je vais pas te faire escalader des tours dans toute la région, alors t'en fais pas. Essaie quand même de pas te casser la gueule. En effet, jamais que tu ferais ça. Non, je tombe mort, moi. Pas question. C'est haut. Donc, tant que tu râlais parce que t'as une tyrolienne de 2 mètres. Ouais, non mais... Je veux dire, par en bas. Oh, ils étaient pas de la tête, les mecs. Hey, de officier, je capte un signal bien fort. Ouvre ta carte. Je vais te décrire ce que j'entends. Ce qu'il entend. On va voir un peu plus large. Dézoome ta carte qu'on puisse voir toute la région. Hope County se divise en 3 régions. Au nord, t'as les Whitetails, les montagnes. C'est Jacob Seed qui dirige tout. L'aîné de cette putain de famille. C'est Jacob qui forme les soldats de la secte. Et il est vraiment très doué. Ellie et les Whitetails essaient de résister, mais Jacob les tient par la gorge. Au sud-est, t'as la rivière Enbain. C'est le territoire de Face, la petite sœur. J'ai entendu pas mal d'histoires, des gens qui auraient perdu la tête dans un endroit appelé la Grâce. Maintenant, va vers l'est, à Holland Valley. John Seed vient de débarquer et réquisitionne tout au nom de la secte. La bouffe, le matériel, il prend même les gens. Je capte tout un tas d'appels partout dans la région. Je te tiens au courant si j'apprends quelque chose d'utile. Donc en gros, le mec là, Locke, il a une île à lui, au milieu. Ah ouais. Ouais. Il s'appelle pas Locke, il s'appelle Dutch. Ouais. Bah, c'est Locke. N'empêche que Locke, Dutch, il sait pas où c'est son ouest et son est. On va pouvoir te faire quitter l'île. Accroche-toi, ça devrait pas être très long. Je peux bouger, non? Spark. Oh merde. Officier, je capte un nouveau truc dans Holland Valley. C'est un message de John. Il faut que tu vois ça. Nous sommes des pêcheurs. Tous autant que nous sommes. Vous, moi. Même notre cher père en fait l'expérience. C'est un poison qui pollue l'esprit. Mais si je vous disais qu'une délivrance est possible, si je vous disais que tous vos rêves, même les plus fous, sont possibles, si je vous disais que toutes les épreuves peuvent être surmontées, si vous adhérez à une idée. Cette libération du péché peut venir grâce au pouvoir d'un mot. Je suis un pêcheur. Oui. J'aspire à la rédemption. Oui. Je veux être
purifie. Si vous me regardez, vous avez été choisi pour la purification. Confessez vos péchés et vous aurez le droit de les expier. N'ayez crainte. Vous n'aurez rien à faire du tout. Nous viendrons. Bienvenue. D'accord. Eden's Gate. Ouais. Je vais expier mes péchés. Merde. John Cine, tiens ta coéquipière, Hudson. Elle est dans une merde noire. Il faut que tu te remues. Alors. Bon, j'ai indiqué trois endroits sur ta carte pour commencer. La Syrie au nord, la prison de Hope County à l'est, et la ville de Falls End à l'ouest. Tu fais comme tu veux, mais à ta place, j'irai d'abord à Falls End. La Syrie. Carrément. En Syrie. C'est quoi l'en face? W. C'est quoi la prise sur drone? Qu'est-ce qu'ils font? Oh, regarde, ils font prendre un bain. Un petit bain des familles tranquilles, je peux faire. Ouais, mon Funkaki, on va y aller. Funaki. Bon, que je t'explique. La vallée est devenue une zone de guerre. La secte réquisitionne la nourriture, le matériel, tout ce qu'ils trouvent, même les gens. Elle a pas survécu. Chez eux et les oblige à le rejoindre. S'ils refusent, eh ben. Elle est morte. Mal. Là où ça chauffe le plus, c'est près de Falls End. Donc j'irai là à ta place. Voilà. Alors. Madame. Quoi? Je crois que t'es pas un chien. Bah ouais, mais. Bah, j'ai sauvé. Madame, je vous ai sauvé. Mais putain, pourquoi? Avec un besoin, c'était un truc. Tu t'aurais débloqué. Non, non, mais j'ai vu. Madame! Je vous ai sauvé. Madame? Oh bah non. C'est le chien qui l'a attaqué, j'ai vu. Ah, c'est marrant, Alan. Ah, le chien, celui-là, bam! Il a sa gueule. Madame, elle a une tache de sang, mais pas sur sa tête. Madame. Madame. Elle va se réveiller après. C'est pas. Ah merde, non, mais non. Tu mets des roquettes et tout. Casse-toi. Je peux plus les prendre maintenant. Quand on veut pas déplacer le chien. Petite pause. Je reviens. Ouais. Ça marche pas si je fais ça. On va mettre ça. Voilà, à toute, j'arrive.
Ouais. Alors. Faudrait que je pense à rajouter de la musique quand je veux voir comme ça. Que je vais essayer de les voir. C'était ouf, la petite île avec une espèce de... C'était là-bas. C'est la boîte. Oh, la boîte. Ok. Avec qui de des canettes. Ouais, est-ce qu'il y a 2 minutes? Ouais. Encore.
que fou. C'est trop bizarre. Oh, c'est mon bateau. Non, non, oh, non, non, non. Putain. Rends-moi mon bateau. Alors, chasser des animaux pour récupérer leur peau et des appâts. De l'arbre des arbres aussi. J'ai pas d'appâts, ouais. Ok. Défi. Après tout à l'heure. Premier défi, terminer d'autres défis pour obtenir davantage de points de talent afin de débloquer de nouveaux talents. Ok, ok. Alors, 1 pour le point de talent. Débloque de nouveaux gadgets de capacité. Ok, donc. Parachute. Pince à la mer. Hop. Voilà. Serre alpha. Ouais. La guerre. Tes balles, s'il te plaît. Quand ça a dégénéré, il paraît que Merle est allé au camping de Silver Lake avec son pick-up. Il sait se défendre.
mais j'ai peur qu'ils surestiment un peu sur ce coup. D'accord. C'est qui, merde ? Ils sont salés où ? C'est Réré, de la ferme à citrouille. Boomer perd complètement la tête, je sais pas quoi faire. C'est Réré, de la ferme à citrouille. Quand tout sera fini, je paye ma tournée. C'est des pommes carrées. Effondrement approche. John veut qu'on stocke un maximum d'engrais enrichi de graisse dans le silo. Attention, manipulant explose facilement. Où est-ce qu'il est? Quand j'ai jamais joué autant de pommes, c'est le fruit d'une tisane de sueur et de sang. Voilà. Ok. Baguette. Point de talent. Je sais pas pourquoi j'ai eu le point de talent. Pas grave, on va mettre ça. Parachute, ça a l'air bien. C'est ça qui explose alors ? Automatique, d'accord. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ah, là-bas. Viens là. C'est une blague. Tiens.
bon, ouais. Quoi ? Elle meurt. Saleté. Ok. Bienvenue chez les ch'tis. C'est que c'est réré. Tais-toi. Arrête. Mais arrête. Non mais. What? Ok, meurs. Oh mais meurs. Meurs maintenant. C'est gratuit. Non, non, tu reviens. Putain. Carcajou. Pourrait lui faire. Il va y passer s'il fait pas gaffe. D'accord. Je prie pour toi, officier. Officier, j'ai pas de nom. Thank you.
Ouais, t'as eu moi. Ok. Ouais. Ouais. Je me suis fait attaquer par un dindon et par une bestiole bizarre. Par un dindon? Oui. Il y avait un dindon et j'ai voulu m'approcher pour voir. Et en fait, il m'a sauté à la gueule. Mais il est violent, hein. Je vais lui mettre des coups de batte dans la tronche pour qu'il arrête. Et alors il y a une espèce de bestiole qui ressemblait à un genre de raton laveur, blaireau, je sais pas quoi, et il est venu m'attaquer. Ah ouais, c'est vrai, ils ont pas pris de drogue pour faire le jeu, quoi. Non. Et là, il te voit pas. Bah non, il... ok. Il est gentil le chien. Il m'aide. Viens là. C'est Boomer. C'est le chien. Ouais, Boomer. Ouais. Je peux le caresser, c'est bien. Salut. Les experts sont des mercenaires et des animaux disponibles à terminer leur mission. Ils sont plus puissants et leurs capacités sont disponibles dès le départ. Talent, on peut l'améliorer. Ok. Oui. Ah bah voilà. Il est bien lui, au moins. Comment faire? On va signer à G. D'accord. On va pas péter cette musique là. Ah bah voilà. Tout de suite c'est mieux. Bien attaché les haut-parleurs. Ouais. Nous sommes des pêcheurs. Ah, c'est ça que t'es en train de manger. Vous, moi. Même notre cher père en fait l'expérience. Me tartille à côté, ouais. Qui pollue l'esprit. Mais si je vous disais qu'une délivrance est possible. Attends-moi, Billy. Putain, il a chié. Dégueulasse. What? Merde. Et vachement résistant en balle quand même. Ouais, c'est quoi là-bas? Non. De temps en temps, il y a genre la radio, elle fait un bruit. Genre, je suis encore là, mais. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi ce truc? Ah, c'est un dindon! Attends, regarde, je vais réessayer, mais il va sûrement m'attaquer encore.
Dindon. Dindon. Vas-y, bouffe-le. Bouffe le dindon. Voilà. Bon chien. Mange le dindon. Silo ? Il y a un silo ? Ou acheter personnalité vos armes, faire le plein de munitions, putain, puis encore découvrir les armes, de toute façon. Boutique. Vendre. Ah tiens, c'est ce truc là qui m'a attaqué. Cette espèce de truc là. Carcajou. C'est plutôt un castor ours, non? Je sais pas. Mais ouais, c'est pas commode en tout cas. Lingot d'argent. Quoi? Sérieux, ils ont mis un cash-up? Un truc qui sert à rien, je sais pas pourquoi ils ont été mettre ça. Enfin... Objet. On ne peut pas du tout améliorer ses armes, qu'est-ce qu'il raconte? Garage. Oula. Et... D'accord. Il y a un Warthog, quoi. Ah, les petits Polaris. Je crois que c'est Polaris en vrai. C'est une marque, on appelle ça un Puggy, mais Polaris c'est la marque, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, et la voiture de Jurassic Park. Vidéo. C'est vécu pour Olivier. Il a bien les tracteurs. Ils ont fait des véhicules pour tout le monde. Un gun dog. Ok, c'est un chien armé.
Bah, c'est ça le truc. Ouais. C'est quoi alors le silo? C'est pas du tout là. La carte elle est pas très. C'est pas le point bleu tout en haut de ta map là? Bah en fait c'est ça que je voudrais voir, le truc où il écrit silo, mais là c'est un marqueur. Ah, ce serait là-bas. Ah, c'est ça. Après il marque que c'est rouge et il marque que ça explose dessus alors. Ouais mais voilà, on sait jamais. Une arbalète, il explose direct. Oh, il y avait des gens autour. Ah voilà, ils sont tous morts. Pourquoi s'emmerder? Voilà, tu fais péter le truc, puis c'est bon. C'est quoi là-bas? En fait, c'est le problème de jeu, c'est que. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça c'est quoi? Oh, et ça ah, c'est ouais. Quoi? Ils ont la télé. Ah, ok. Je sais pas, mais ils avaient pas envie de mourir en tout cas. Je suis aveugle ou pas là-bas? Les avant-postes. Ok. Un truc qui a volé là-bas. Oh, des vêtements, on peut s'acheter des vêtements quoi. Tenue. Ah, tenue de gros beauf. Oh merde. Oh mon dieu. On peut faire Jackie. Jackie Tuning ici. C'est pas possible. Putain, ça a bien qu'un con lui-même. En brillant, il est magnifique. Oh merde, on suit la rue. Tu peux faire un biker.
C'est le The Biker la campagne, quoi. Ça coûte cher les trucs, les tenues. Je sais pas, je vois pas. Ah ouais, t'as pas les prix toi là du coup. Ouais, c'est en gros, celle-là c'est 9000 quoi. 5400. Ouais, mais je sais pas combien t'as donc. Hein? Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai 4200. Mais j'ai 4200 depuis le début quoi. Putain, ça c'est magnifique ça. Ça c'est. La version avec bonnet. Maillot de corps. Je vais jamais pouvoir changer. Oula. Tenue de Rainbow Six Siege. D'accord. Ça c'est quoi? Baseball de Hop Country. Je vais jamais pouvoir changer de. De t-shirt moi. T-shirt là-bas crétin. Attends, la veste ça coûte 2700 et la tenue 7200. Attends. Acheter... Ah non, j'allais dire on peut acheter de nouvelles coupes de cheveux, mais c'est les mêmes. Il est trop beau, on m'a dit Amérique. J'ai jamais changé, moi. Quoique. Quoique. Il y a du lourd, quand même. Un gros crasseux, c'est cool. Ils appellent ça moto, quoi. Le pantalon s'appelle moto. Ok. Le rapport avec la moto. On va mettre ça. Comme ça, on sera un gros redneck. Alors, arme. Oh, oh non. Oh, ça c'est cool, ça, je veux ça, moi. Et... une pelle, c'est précis à 5. Genre, c'est la pelle qui est précise. Quand tu tapes tout droit devant toi, bah, des fois, ça tape à gauche. Oh, une pagaie. Personnalisé. Ah cool, par contre on peut des lunettes et tout, c'est ici que ça se passe ça. Point rouge. Ils vendent un silencieux carré au rond et en fait ils disent rend l'arme virtuellement silencieuse, n'ayez pas peur, les coins la rendront pas plus bruyante. C'est le même prix et tout, c'est exactement la même chose en fait. On va améliorer l'arme alors, silencieux. Hop.
Et en fait, c'est tout. Les ours. En temps normal, on essaierait de les attraper et de les relâcher dans un endroit plus sûr. Et ces bestioles ont mis la patte sur la putain de drogue que la secte avait cachée là-bas. Ça les rend complètement dingues. C'est trop dangereux de les attraper. Il faut qu'on les abatte. Ok. Allons buter les ours. Recruter. Ouais. Attention à nous. Aide-moi alors. Oh. Il vient de se faire bouffer. Ouais mais... Ah, ça va. Jackie Lafrite là, elle voulait pas. Embaucher. Ouais. Je peux en avoir deux? Ah ouais. Quoi, j'en tue trois comme ça? Il est adorable. Tiens, l'ours. Non, reviens. Mais sérieux, il se prend une grenade et... Putain, c'est plus les balles qu'il leur faut. Dernier, je l'ai eu. Celui-là, je voulais tuer. Lui, pour abîmer, tu mets ta viande abîmée. Je l'ai eu. C'est bien le chien, les drogués, regarde. Ouais. Avec moi pendant quelques secondes. Mais... D'aussi loin que je m'en souvienne, la secte a toujours contrôlé la gare de triage. Je sais pas ce qu'ils faisaient de tout ce métal à l'époque, mais je crois qu'ils s'en servent pour fabriquer des cages maintenant. Putain de merde. Ok. Ah mais ça veut dire que... Ah bah oui, voilà. Je
sera à main. C'était pas doux un tracteur. Bah si, gars, j'ai garé. C'est quoi ça? Je sais pas combien j'ai une grenade, mais ça a l'air illimité. Yeah. Ça. Ok. Ah merde, il y avait quelqu'un. Salut. C'est quoi? J'ai bien cru que c'était fini. Merci. John porte toujours une clé autour du cou. Il appelle ça la clé pour le paradis. À l'aide ! Ok, ok. Qui va là ? Seigneur ! Pitié, non ! Quelqu'un vole le matériel d'Eden's Gate près de ce pont de merde. Vous êtes avec eux ? C'est ça ? D'accord. Quelqu'un vole le matériel d'Eden's Gate près de ce pont. Les fanatiques arrivent. C'est le bordel. Il paraît qu'ils se planquent juste au bout. Olivier. Oh. Adieu. Pied. Tu peux pas se mettre tout seul. Général, non? Parce qu'il est tout seul, le garçon. La secte ne fait pas que prendre l'essence du bétail. Ouais, de toute façon, je comptais arrêter Far Cry pour ce soir. Faut que je vous dise quelque chose. Je vais couper. Il y a le cerf de Virginie, les gars. Et la musique, c'est... Ah, mais non. Ok, il va. Voilà. Eh bien, du coup, moi j'arrête pour ce soir, pour Far Cry en tout cas. Voilà, voilà. Ça va garder, ça arrive quelque chose à appuyer là-dessus. Ok. Voilà. Tu es tout seul. On sait faire des squads. De quoi? On sait faire des squads de multi. Oui, on sait jouer en coop. Je vois en dessous que t'as plusieurs profils. Ouais, il y a un mode coop dans le jeu. Okay. Y a un truc, rendre des avant-postes, la secte à nouveau hostile. Ah ouais, d'accord. Tu peux rendre des avant-postes hostiles pour revenir. D'accord. Ouais, il y a un mode coop, mais je sais pas si c'est... C'est la coop, je vois là. Je crois que c'est l'histoire, mais... Enfin, c'est difficile à dire parce que dans les anciens... Tu pouvais rejoindre le mode la partie d'un autre et faire les avant-postes, etc. Mais tu pouvais pas faire l'histoire. Et donc je sais pas s'ils ont continué à faire ça comme ça ou si si on a vraiment le droit de jouer en coop quoi. Ça c'est une grande question, faudra regarder. Bon, eh bien je coupe. Bonne soirée. Ciao.